Bonjour, c'est le petit journal des animations de l'Alpe d'Huez pour ce lundi 21 février. De 10h à 13h, on retrouve le jardin de glace à la patinoire au centre de la station. Module ludique sur la glace pour les enfants de 5 à 12 ans. Information directement à l'accueil de la patinoire. Et puis ce soir, de 18h à 19h, vous retrouvez le pot d'accueil de la station avec la présentation de vos activités et de vos animations pour votre semaine de vacances, suivi d'un petit blind test musical offert par notre partenaire Chartreuse. Rendez-vous sur le parvis de l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez. Pour ce mardi 22 février, on retrouve de 11h à 12h30 la déambulation de notre mascotte Marmotte. Rendez-vous au chalet des enfants ESF au niveau des bergers. C'est une animation qui est offerte et gratuite pour tous les enfants à partir de 2 ans. Et puis cet après-midi, comme chaque mardi, on retrouve également une animation pour les enfants de 6 à 12 ans, de 16h à 17h30. Rendez-vous sur le parvis de l'Office de tourisme au quartier du Vieil Alpe pour les animations et activités de l'Alpe Winter Game. Vous pouvez vous inscrire directement à l'accueil de l'Office de tourisme. Et comme chaque mardi soir pendant les vacances scolaires, vous allez retrouver le spectacle enfant de la semaine. On se donne rendez-vous à 18h à l'espace congrès des Grandes Rousses, au Palais des Sports, pour le concert bal rock pour les enfants à partir de 3 ans, avec le spectacle Avec nos têtes de sardines. C'est la compagnie Baluchon et Zizani qui vous le propose, ils viennent de Grenoble. C'est un spectacle qui est offert avec une jauge limitée et le port du masque et le pass sanitaire seront obligatoires à l'entrée de la salle. Pour ce mercredi 23 février, on retrouve ce matin l'Eurosun Tour de 10h à 16h. On se donne rendez-vous directement au pied du DMC pour les démonstrations et surtout la découverte des engins de glisse avec notre partenaire Rossignol. Vous pouvez tester le matériel en snow et en ski. Les inscriptions se font directement sur place. Et puis cet après-midi, comme chaque mercredi pendant les vacances scolaires, on se retrouve sur le parvis de l'Office de tourisme à l'entrée de la station, puisque vous avez le concours de bonhomme de neige qui est organisé de 14h30 à 16h30. C'est avec l'Union des commerçants du Vieil Alpe. Vous pouvez vous inscrire directement dans les commerces de la station. Récompense pour tous les enfants qui participent, avec un concours et un jury surtout qui va décerner le meilleur bonhomme de neige. C'est bien sûr sous réserve des conditions d'enneigement. Et puis comme chaque mercredi soir, on retrouve sur la piste du Signal la grande soirée Ski Show. Rendez-vous à partir de 18h30 jusqu'à 19h30 au pied de la piste du Signal pour la grande soirée glisse de la semaine avec démonstration des disciplines de glisse, la descente au flambeau des moniteurs de l'ESF et également le feu d'artifice. Pour ce jeudi 24 février, vous allez retrouver deux animations en front de neige au pied des pistes toute la journée. Avec la première, le Rossun Tour, c'est-à-dire les essais et les tests matériels, avec notre partenaire Rossignol, en ski et en snow. Vous pouvez vous inscrire directement sur place, avec simplement vos pièces d'identité et une caution. Et puis également, on a une deuxième journée avec le X-Speed Tour, c'est-à-dire l'initiation et la découverte au ski de vitesse. Vous pouvez vous inscrire directement sur place, le port du masque est obligatoire et il y a des prêts sur place si vous n'en avez pas. Cette initiation est gratuite dans la limite des places disponibles et c'est à partir de la 3e étoile. Ces deux animations se déroulent au niveau du DMC1 de 10h à 16h. Et puis comme chaque jeudi en fin de matinée, on retrouve de 11h à 12h30 la déambulation de notre mascotte Marmotte. Rendez-vous directement pour les enfants à partir de 2 ans au niveau du chalet des enfants ESF au quartier des bergers. Cet après-midi, vous retrouvez également de 16h à 17h30 l'animation musicale offerte par nos animateurs de l'Office de tourisme, les Stars de l'Alpe. Rendez-vous sur le parvis de l'Office de tourisme, les inscriptions se font directement à l'accueil. Allez, comme chaque jeudi également, vous pouvez retrouver la déambulation musicale de cette semaine. Et pour ce jeudi, on retrouve à 11h30 en front de neige la déambulation de Fanfare Express. Vous les retrouvez également, ces 6 musiciens à cuivre, à 16h dans la galerie commerciale des bergers et à 17h30 sur le parvis de la patinoire au centre de la station. Et puis vous avez également, comme chaque jeudi soir, la soirée DJ Live à la patinoire. On se retrouve de 19h à 22h pour 3 heures d'animation sur la glace avec des goodies Alpe d'Huez à gagner bien sûr. Comme chaque jeudi, vous retrouvez également à 18h15 le concert classique de la semaine. On se donne rendez-vous directement à l'église Notre-Dame-des-Neiges pour un concert de musique classique avec l'orgue. Billetterie directement sur place. Pour ce vendredi 25 février, on retrouve comme chaque vendredi matin pendant les vacances de 10h à midi le trophée de la marmotte d'or. Descente sur la piste Bob du côté des bergers avec l'école de ski internationale. C'est à partir de la 3e étoile et vous pouvez vous inscrire directement au niveau du bureau d'EasySki.
Et puis vous allez retrouver également, comme chaque vendredi, sur le parvis de la patinoire au cœur de la station, l'animation sur structure gonflable. Rendez-vous de 15h à 19h pour cette animation offerte pour tous, avec des laser games cette semaine. Et c'est offert par Montagne Arc et l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez. Et comme chaque vendredi pendant les vacances, on retrouve également le gala de patinage, avec rendez-vous à 18h30 jusqu'à 19h15 sur la patinoire. C'est offert sans réservation par le club d'Alpe d'Huez Patinage. On vous souhaite un excellent séjour. Alpe d'Huez.